Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour notre cinquième épisode sur notre Let's Play Minecraft. Alors, on s'était laissé la dernière fois sur le terraforming de notre future base. Donc là, on va y retourner, hein. J'ai bossé un petit peu hors caméra. Alors, j'ai juste terminé le terraforming, j'ai récupéré aussi quelques ressources. Donc aujourd'hui, on va commencer. On va construire notre bâtiment principal, hein, notre petite maison. Du coup, comme d'hab, hein, je vais faire ça en accéléré, histoire que ça prenne pas trop de temps. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors j'ai l'impression qu'il y a des fantômes qui vont m'attaquer. J'ai cru les entendre. Ouais, c'est ça. Allez, on se barre vite à l'abri. Aïe, 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 aïe. Là, ça craint. Faut vite arriver. Oh là là, j'ai plus de cœur. Alors, on va essayer un truc, tiens. Est-ce qu'il... Non, il m'attaque pas quand je suis dans l'eau. Allez, je mange vite un saumon, histoire de récupérer des cœurs. Ouais, mais tant que je suis dans l'eau, il m'attaque pas. Donc ça c'est bon à savoir, les fantômes ne s'attaquent pas dans l'eau. Du coup il faut juste... Ouais, là j'ai un bloc, je peux pas rentrer. Donc ma pioche, hop. On va vite casser le bloc. J'espère qu'il n'y en a pas juste au-dessus de moi. Allez, on casse le bloc, on va vite se mettre à l'abri. Ouais, c'est bon.
Voilà, je crois qu'on a déjà bien avancé pour notre première maison, hein, qui est plutôt sympathique. Alors évidemment, elle est loin d'être terminée. Il y a beaucoup de déco encore à rajouter. Il y a effectivement le toit à terminer, qui serait un peu plus épais. Enfin bon, voilà, il y a encore pas mal de choses à faire, mais je pense qu'on a pas mal avancé. Donc oui, hein, j'ai pas mal galéré. On manquait à chaque fois des ressources. Enfin voilà, donc c'est un petit peu long à faire, mais au moins on aura quelque chose de joli. Je pensais pas faire tout de suite une maison aussi grande, mais voilà, j'étais lancé, donc j'y suis allé à fond. Et puis comme ça, au moins, on a un joli bâtiment. Vous voyez, hein, pour teindre le verre, hein, on fait cuire du sable qui nous donne des blocs de verre et on met de la teinture. Hein, donc en l'occurrence, là j'ai pris de la teinture bleu clair qu'on peut avoir directement grâce à ces fleurs-là ou en utilisant du lapis et puis de la poudre d'os. Voilà, donc ça, vous pouvez teinter vos verres comme ça avec à peu près tous les colorants existants. Alors je vais continuer à mettre ces blocs-là vu qu'ils sont terminés. C'est sûr que c'est beaucoup plus long comme ça on survit, surtout quand on est seul, qu'en créatif, voilà, je trouvais plus mes mots. Mais en tout cas, on avance, c'est ça qui est bien. C'est que maintenant on est à l'abri, vous avez vu, j'ai crafté aussi un petit dit, hein, pour faire passer la nuit un peu plus vite. Et comme ça éviter d'être attaqué par les monstres. Donc voilà, il n'y a plus qu'à continuer tranquillement. Ah oui, j'avais dit que je faisais ça aussi. Est-ce que j'ai encore de la non, du sable? Ah, j'ai plus de diorite poli. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je rajouterai encore un étage pour donner de l'épaisseur. Voilà. Donc on va se laisser là-dessus. Semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est on va se faire un petit bunker dans le désert. Ça, j'ai bien envie de le faire, puisque vous voyez, on est niveau 24 au niveau de notre XP, et ça serait bien d'arriver niveau 30 assez vite pour, eh bien, pour, comment dire, pour pouvoir commencer à enchanter nos outils, notre armure, etc., etc. Donc, on va se faire, je pense, la semaine prochaine, un petit bunker dans le désert où vous verrez, ça va être très très drôle. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.